Bonjour à tous et à toutes, ici Mister Chief Talisman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece, Pirate Warriors 3. J'aimerais faire plus de vidéos sur ce jeu, j'en ai fait qu'une où j'utilisais Luffy, et je pense en faire d'autres. Pour ceux qui aimeraient savoir où j'en suis dans One Piece, j'ai bien avancé. J'en suis enfin à la fin de Dressrosa. J'ai fini tous les épisodes, c'est bon, je suis à jour. Alors, Capitaine Kuro, Bel Ami. Ah putain, mais ils vont trop vite, j'ai pas eu le temps. Il y avait Lucci, il y avait. Ah! Olijon, Fujitora et César Clown, ok. Oh putain, je déteste lui. Fuck. Ah non, pas eux, désolé les gars. Ah, je fais le fuck à l'autre salopard, là, le flamant rose de merde. Je déteste. On va monter. Je parlais de Doflamingo, hein. Bon, on va aller en mode rêve. Bon, je baisse un peu le son, c'est vous qui le monterez. Hein. On va continuer. Alors, c'est un mode un peu spécial où on peut utiliser tous les personnages que l'on veut, enfin, que l'on a débloqué. Donc, on a ceux de l'équipage. Bon. Ici, on a qui? On a Rob Lucci, on a Ivankov, César Cloud et Stavo. À la marine, on a Tashigi et Smoker. Sur les pirates 2, on a Law, Jimbe, Hancock, Marco et Ace. Ici, on a Baggy, Crocodile et Perona. Je pense que je vais prendre. Alors, voyons Luffy. Peut-être Zoro, attendez. Changer de costume. Nouveau monde. Sabon, Ziban. On va le prendre du nouveau monde. Utiliser des pièces, ça. On va améliorer la vie de Zoro. On n'a pas de vachette, on n'a pas les Minotaurs. Oz, on n'en a pas. Alors, Kuma, on en a que 3, ce sera pas possible. Magellan, on peut pas. On va augmenter sa défense. Hop. On va les garder. Bon, eh bien, on pourra. On va prendre le large. Je vais être chiant, je vais monter le son. Alors, on va se mettre en mode plateau. Son maudit, tu me fais mal aux oreilles. Alors, chaque île est un niveau. Il faut faire tous les niveaux pour arriver à un boss. Et quand on bat ce boss, on peut l'utiliser. Mihawk, là on a Barbe Blanche. Genre moi j'en suis là. Donc par là il y a Fujitora et ici Magellan. Il y a d'autres îles à débloquer plus tard. On va essayer d'aller jusqu'à Magellan. Allez. Armée alliée, ouais. On va essayer de débloquer Magellan. Le tout dernier à débloquer vraiment à la toute fin, si je me trompe pas, c'est Shanks. Et je le veux. Alors, on sera en coopération avec qui? Alors, j'espère. Ouais, je suis avec Rob Lucci, mon préféré. Doflamingo? Mais non! Je suis avec mon préféré, Rob Lucci, celui que je déteste le plus. Ah! Crotte, hein. Bref. J'ai préparé un truc. Allez, c'est parti. Ah, Ivankov.
Oh putain. On va faire la super attaque parce que là c'est trop chaud. Croisement de 6 chemins. Ah, des bonus, nickel, on va se faire Ivankov. Oh! Et c'est bon. On a réussi à, battre Ivankov. Je vais aller aider Lucci, il est là-bas. Ah mais on est avec la marine, ah d'accord. Et oui, c'est un mode spécial quand même. Merci, j'allais me faire cela. C'est moche. C'est zizi, c'est pite. Ok, bon. Ashura! Bon allez, on va continuer. Allez. Bien, on a pris ce territoire, on va avancer jusque là-bas. Les choses se déroulent comme prévu. Nickel. Allez, on va se faire Alvida. En plus, elle est bonne. Ah, il y a un coq aussi. On va faire le croisement des 6 chemins. Nickel. On va charger notre... Allez. Purgatoire du démon. Et j'ai niqué les deux. Putain, Zoro il est chaud du zizi, c'est niqué les deux bonnes en un coup. Potoro. Robolucci. Zoro avec ou en coq. Shin Sonson. Allez. Je trouve que Zoro est badass. Oh mais c'est stylé ça. Tiger Slash, Demon Slash. Ah ouais. Je me régale de jouer avec Zoro. Oh. Calibre 720. On va faire le Burning Demon Slash. C'est bon, on a pris cette zone, on va avancer. Oula, il y a un boss. J'allais faire le tour. Oula, il y a des adversaires ici aussi. Je vais faire ce pâté de connard. Nickel. Là, c'est qui? Magellan, bah bien sûr.
m'empoisonner, le salopard. T'as pas le... Tu vas payer. Purgatoire du démon. Prends ça, chier de service. Qui c'est qui est là? Oh, vous cassez les deux jambes. Comment vous osez faire? Comment vous pensez vraiment pouvoir rivaliser? Ah, il y a un coq qui est venu nous aider. Allez, je vais aller. Je vais vous montrer quelque chose de stylé. C'est parti. C'était pas stylé. Alors on a un coq et on a deux flamingos. On va prendre un coq pour le prochain raid. Le purgatoire du démon. Je cherche à être meilleur. Ah, qu'il est stylé. Ah. Ener, ça doit être celui qu'on voit là. Ah non. Dégage. C'est bon, je l'ai touché, j'avais peur de l'avoir raté. Ah oui, c'est une attaque que je vous avais pas encore montré ça. Bon, attendez, je fais un petit truc comme ça pour avancer. Oh non, des pacifistas. Je déteste les pacifistas. Ener, on va s'occuper de toi. Oh génial, elle l'a bloqué dans la pierre. Oh, on l'a fait mal. Merci, je vais bouffer du Ener. C'est fait. Pourquoi il y a le temps? Ok, faut battre les fins. Faut battre Frankie et les pacifistas. Allez. Voilà, on s'est fait deux pacifistas d'un coup et on s'est fait Frankie en même temps. On n'a même pas pu le voir. Mission interrompue, bah tu parles. Là-bas, il y a un troisième pacifista, je crois. Espérons que ce soit pas le retour de Magellan. Il s'est fait vraiment défoncer. Ah, le commandant de la marine. Ah, mais... Merde. Ah, mais je vais faire l'attaque que j'avais pas montré encore. Voilà, une sorte de catapulte bleue. Je vais la refaire. Merde, je me suis raté. Ah, ça aussi, c'est stylé. Je vais aller là-bas. Un peu. Pa-pa-pa. Bref. Allez. C'est rouge. Je sais pas s'il dit ça, mais bon, on dirait qu'il dit ça. Et où c'est qu'il est, Frankie? Ah, mais il est de l'autre côté, là-dedans. On va faire équipe avec lui, maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse des vidéos sur ce jeu. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Faut que je le refasse, attendez. Wouah! Carrément.
Bon, il n'y a pas un boss? Ah, ok, tout là-haut. Je vais faire une petite coupure, on se retrouve tout de suite. C'est bon, j'ai remonté la carte. Là-bas, il y a des ennemis. Vite, 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 vite. Le temps qu'il me reste mon boost spécial, là, je vais l'utiliser contre le boss. Eh ben, le baratier. Ok. Le baratier. Magellan, allez. Il est pas mort? On va régler ce problème. Je l'ai raté. Ok. On va faire pour conclure. Merde, j'ai pas eu le temps de la lancer. Je vais me cacher un peu là. Ah, j'en peux plus. J'arrive pas à lancer mon attaque. C'est bon. Purgatoire du démon. Je crois qu'on a fini. Yeah. Magellan, à cause de toi, on a plus bon play, tu l'as tué. Ouais, la victoire est à nous. Yeah, temps de mission rang S. Je suis fier. Nombre de tués, 1927. Pas mal. Rang A. Eh ben, c'est très bien ça. Pas mal. Alors on gagne quoi? Allez, on les monte un peu de niveau. 2 pièces de Zoropus et 2 pièces de Hancock. Ah, avis de technique Magellan. Avis de technique. Oh, ça nous fait beaucoup de pièces. 4 NR, 4 Ivankov, 32 Pacifista, 3 Lucci, 4 Alvida. Bon, je vous laisse voir. 8 Magellan. Je crois que maintenant on peut jouer Magellan. On va vérifier ça. Moi je propose de faire... Allez, on va tenir jusqu'à 20 minutes. À 20 minutes, j'enlève. Allez, ciao. Pas mal. Bon, ici, qu'est-ce que c'était? J'en ai vu un revenir. Je vais aller vers le début. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, je le reconnais lui, c'est de la flotte de Barbe Blanche. Alors. Mimi, j'ai envie d'aller faire ce niveau là-bas. Bon. Est-ce qu'on part vers Fujitora là-bas? Avec Akainu? Attendez. Est-ce qu'on essaie d'aller jusqu'à Fujitora? Mais derrière, il y a Akainu là, sur les points noirs. Ou est-ce qu'on revient et on va faire ça? Je me demande bien qu'est-ce qu'il fout là lui. Et après si on peut jouer Barbe Blanche, c'est pas mal. Après il y a Moria et on pourra aller vers Mihawk. Effectivement, on peut jouer maintenant Magellan. À côté d'Ivankov et César Cloud, maintenant on a Magellan. D'origine j'aime pas trop Magellan, mais c'est plutôt bien de l'avoir, ça fait toujours un perso de plus. On se retrouve dans le prochain épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et dites-moi le personnage que vous aimeriez que je prenne. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur ce jeu. A plus les gars. Oui les filles. C'était Mr. Chitalisman.